Pourquoi Errol Flynn a eu le corps d'un homme de 75 ans lorsqu'il est mort à 50 ans? Pendant un certain temps, au cours de l'âge d'or d'Hollywood, Errol Flynn a été l'une des plus grandes stars de cinéma de l'industrie du divertissement. Cependant, tout cela s'est effondré pour la star en raison de son style de vie hédoniste. L'acteur a mené une vie de débauche criminelle et il est décédé à un âge relativement précoce dans une stupeur ivre. Errol Flynn est entré dans les années 1940 comme l'acteur le plus populaire d'Hollywood. Même si le respect qu'il inspirait à la fois à ses pairs et au public allait bientôt diminuer lentement dans les années qui ont précédé sa mort, décidément précoce et tragique à l'âge de seulement 50 ans. Une grande partie de la malchance d'Errol résulterait de ses accusations de viol en 1942, de jeunes femmes affirmant que la star les avait séduites, puis agressées. Bien que les preuves soient accablantes, Errol a fini par se retirer des accusations à la suite d'une révélation selon laquelle l'une des filles avait déjà avorté. Bien que l'avortement n'ait aucun rapport avec les affaires en cause, le fait qu'elle n'en ait jamais eu un suggérait au tribunal qu'elle n'avait aucun caractère moral. Les accusations de viol statutaire ont hanté Errol Flynn jusqu'à sa mort, même s'il n'a pas fini par être reconnu coupable. Cependant, les accusations de viol statutaire n'étaient pas les seules choses qui pesaient sur l'image publique de la star. Errol était également devenu connu pour sa consommation excessive d'alcool et son penchant pour l'adultère. L'acteur avait poussé sa première femme, Lily Damita, en 1935 et il a divorcé de l'actrice au moment des accusations de viol. Si Errol avait été reconnu coupable des accusations de viol statutaire, il aurait pu purger jusqu'à 25 ans de prison. Étant donné que l'acteur allait mourir dans 2 décennies, cela aurait peut-être pu lui sauver la vie. Errol Flynn était trop malsain pour servir pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moment où l'Amérique est entrée dans la Seconde Guerre mondiale, le public n'aimait pas beaucoup Errol Flynn. L'acteur avait été l'une des plus grandes stars du monde quelques années auparavant, mais son style de vie débauché avait rebuté la majorité de son public. L'acteur pensait qu'il pourrait potentiellement regagner le respect du public en servant pendant la guerre, mais ses années d'abus d'alcool ont fait en sorte qu'il a été jugé physiquement inapte à le faire. Errol est ensuite tombé dans une profonde dépression et a continué à augmenter son comportement débauché au cours des années de guerre qui ont suivi. Alors qu'Errol Flynn avait voulu servir son pays, il a fini par devenir la colère de l'Amérique, à son comportement débauché, accru, donnait l'impression qu'il se moquait du mode de vie américain pendant l'une des périodes les plus difficiles du pays. Au début des années 50, Errol Flynn n'était plus un gros tirage au box-office. Son long métrage de 1951, Les aventures du capitaine Fabian, fut considéré comme un échec financier, tout comme le Maru-Maru qui suivit en 1952. Après un peu plus d'une décennie, Errol était tombé en disgrâce. La santé d'Errol Flynn prend un tournant. Alors qu'Errol Flynn tombait publiquement en disgrâce, sa santé physique et mentale a également commencé à décliner considérablement. Lors de la production des films susmentionnés, il a déclaré avoir des problèmes de mémoire à court terme. À la suite de ses échecs vers le début des années 50, Errol s'est rendu en Europe pour faire ce qu'il espérait être un retour triomphal avec Le maître de Ballantrae. Malheureusement, le film est sorti en 1953. Il n'a pas rencontré le niveau d'acclamation qu'Errol espérait. Le maître de Ballantrae ne prouvant pas le retour en forme qu'il avait espéré, Errol a commencé à réfléchir à un nouveau véhicule vedette qu'il lui produirait lui-même. Ce film serait une nouvelle interprétation cinématographique de l'histoire de Guillaume Tell, avec Errol dans le rôle principal. Malheureusement, bien que certaines parties du projet aient été filmées, elles ne se sont jamais terminées. Pour aggraver les choses, Errol a fini par gaspiller la totalité de sa fortune restante sur la production ratée du film. Plus opprimé que jamais, Errol Flynn s'enfonce dans son alcoolisme. Au cours de la fin des années 50, Errol Flynn était un gros slob ivre passant la majorité de son temps à naviguer sur son yacht, ce yacht étant l'un des rares signes restants de l'ancienne gloire de l'étoile déchue. À cette époque également, il remporte des éloges de la critique décidément fortuits en jouant le personnage tout aussi ivre de Mike Campbell dans l'adaptation cinématographique de 1957 de The Sun Also Rises. On peut imaginer que cela n'a pas demandé beaucoup d'efforts à la star pour jouer le rôle, et cela n'a pas été un grand retour pour lui. La vie personnelle d'Errol Flynn. Errol Flynn s'est marié 3 fois au cours de sa vie. En plus de sa première épouse susmentionnée, Lily Damita, Errol a épousé 2 épouses ultérieures avant sa mort en 1959. La deuxième épouse d'Errol était commise au snack bar du palais de justice pendant le procès pour viol de la star. Elle s'appelle Nora Eddington et ils se sont mariés en 1943, à 49. Errol et Nora ont eu 2 filles, et Errol a également eu un fils avec sa première femme Lily des années auparavant. Errol a épousé sa 3e épouse Patricia Wymore en 1950 et il est resté avec l'actrice jusqu'à sa mort. Au cours de leur mariage de près de 10 ans, Errol et Patricia ont eu une fille. Errol a bu 2 litres de vodka par jour avant sa mort. Le tout dernier film dans lequel Errol Flynn est apparu était un long métrage à petit budget du nom de Cuban Rebel Girls. Bien qu'il soit marié à la susmentionnée Patricia Wymore, Errol aurait une relation amoureuse avec sa covedette de 17 ans dans le film, dont une jeune actrice du nom de Beverly Aadland. En fait, la rumeur veut qu'Errol ait eu une relation amoureuse avec l'actrice à seulement 15 ans, lorsqu'il l'a retrouvée en train de courir autour du terrain de Warner Bros. Pictures. Errol Flynn est décédé d'une crise cardiaque en 1959, bien qu'il n'ait que 50 ans à l'époque. L'autopsie a révélé qu'il avait la santé d'un homme de 75 ans. Dans les années qui ont précédé sa mort, l'étoile déchue a bu environ 2 litres de vodka par jour. Bien qu'Errol Flynn ait été autrefois l'une des plus grandes stars de cinéma du monde, il est tombé en disgrâce environ une décennie dans sa carrière et est mort une coquille ivre dans son ancien moi. Il est maintenant temps de vous entendre. Saviez-vous qu'Errol Flynn avait bu 2 litres de vodka par jour dans les années qui ont précédé sa mort et que la star de 50 ans aurait eu le corps d'un homme de 75 ans quand il est mort? Comme toujours, aimez cette vidéo pour montrer votre soutien, abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous souhaitez être parmi les premiers à savoir quand d'autres vidéos de notre chaîne sont en route.